L'Assemblée nationale a adopté cette nuit un amendement au projet de loi de finances par 227 voix contre 88 qui augmente la taxation des super-dividendes. Alors, un dividende, c'est quoi? C'est la somme que verse chaque année une entreprise à ses actionnaires. Et un super-dividende, c'est un dividende exceptionnel en cas de bénéfice exceptionnel. C'est exactement ce qu'a versé Total à ses actionnaires en septembre. Normalement, ces super-dividendes, ils sont taxés à 30%. L'amendement a prévu d'augmenter cette taxation à 35%. Vous l'avez compris, c'est un moyen de remettre sur la table le sujet des super-profits que le gouvernement essaye de mettre sous le tapis. Mais là où l'affaire prend une saveur particulière, c'est que cet amendement, il a été déposé par Jean-Paul Mattei, qui est le président du groupe Modem à l'Assemblée. Or, normalement, le Modem, c'est un allié du camp présidentiel. Le vote de cet amendement hier soir, il a fait exploser la majorité. Du côté de l'opposition, la NUPES, le RN ont voté pour. Le Modem a voté pour, évidemment, puisque c'était son président qui le présentait. Mais au sein de la majorité, même dans le groupe Renaissance, le plus proche d'Emmanuel Macron, eh ben 19 personnes ont voté pour. Et parmi ces 19 personnes, un certain Freddy Certain, alors qui c'est Freddy Certain, c'est le suppléant d'Elisabeth Borne. Donc si je résume, le gouvernement dit non à cet amendement, mais le suppléant de la Première ministre dit oui. Quelle pagaille quand même, et on se demande au passage ce que fait Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Ce vote est un camouflet, mais c'est un camouflet de plus dans cette discussion sur le budget où le gouvernement s'est plusieurs fois retrouvé en minorité. En ce moment, on se prend tôle sur tôle, a confié ce matin une députée de la majorité au Figaro, de quoi faire réfléchir sans doute le gouvernement à utiliser le 49-3 peut-être plus vite que prévu.